Cette partie, donc, si on a bien compris, hein, une personne sur quatre est isolée dans ce pays. Tout le monde trouve ça triste, mais vous, vous n'avez pas décidé de vous contenter d'être triste, en fait. Bah non, on s'est dit, bon, bah, on va prendre notre caméra sur notre épaule et on va aller filmer ce qui se fait de bien, apporter un regard positif sur le vieillissement en France. Voilà, montrer que c'est pas que de l'assistanat, que c'est pas que des personnes qui sont physiquement dépendantes, qu'ils ont plein de choses à transmettre. Donc l'idée, c'était de produire du contenu pendant notre tour de France avec des photos. Donc là, c'était simple, hein, sur Facebook, sur notre blog, des articles. Et donc, on a lancé un appel à projet avant, en expliquant notre concept sur Internet. Voilà. Et on a eu 45 projets qui ont proposé une idée plus ou moins innovante, voilà, qui marchait. Là, il y a 45 projets, voilà. Et vous dites, tiens, on va aller voir les 45 ? Non. Bah, malheureusement, non, parce qu'on avait pas, on avait un temps imparti, c'était sur nos vacances, parce que donc c'est un projet... Ah, au lieu de partir bronzer sur un transat... Oui, c'est plus facile. Mais quand je te dis qu'elles sont fantastiques, mais moi je suis gaga, parce qu'elles n'ont que 19 ans, je le répète. Ouais, avant que vous donniez des exemples, réaction de mes invités. Bah, je trouve que c'est très courageux en fait, parce que c'est vrai que dans mon métier je fréquente aussi des lycéens, parce que c'était juste à la sortie du lycée, et quand je vois les lycéens que je vois, c'est plutôt Facebook, mais plutôt dans le côté on fait la fiesta, on fait les apéros parties, des choses comme ça. Donc c'est agréable, c'est plaisant de voir des jeunes filles, des jeunes femmes investies, si jeunes et aussi motivées. C'est... Elle a 25 ans. Oui. J'adore. Elle est prof, donc forcément vous êtes des gamines. Est-ce que c'est ça votre idée ? On va voir des exemples dans un sens, c'est quoi ? C'est de les répertorier parce que ce sont des idées qui marchent, qui peuvent être reproduites. Exactement. C'est ça. On a commencé par des balades à vélo un peu originales. C'est des triporteurs spécialement aménagés pour les seniors, donc c'est-à-dire qu'ils s'assoient et ils sont très à l'aise. À Cap-Breton. À Cap-Breton. Et l'idée, c'est d'offrir bénévolement une balade aux seniors, donc là, d'une maison de retraite. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte que c'était une évasion pour eux assez dingue. Certains, ils n'avaient pas vu la mer depuis 4 ans. Oui, ça, voilà, ils c'est habitent ça. À 100 mètres. Oui, bouge pas. Ouais. En plus, ça permet d'échanger. S'ils connaissent bien la région, ils peuvent faire découvrir des coins formidables. Alors, certains allaient voir leur ancienne maison. Et après, plus en fond, c'est surtout qu'ils ont un réel besoin de jeunesse. Ils le disent, on a besoin de jeunesse dans notre maison. La jeunesse, ça nous fait du bien. Ouais. Finalement, voir des personnes plus en difficulté que soi accélère le vieillissement et donc ramener des projets. Sortir du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui les stimule, ouais. Qui les maintient en vie. Bah, c'est comme les petites images que vous avez ramenées, là, de la petite grand-mère de 96 ans avec cette jeune fille de 20 ans. La grand-mère appelle la jeune fille son ange gardien. Et la jeune fille m'a dit, elle a 20 ans, elle m'a dit, c'est ma petite maman. Et elles vivent ensemble. Sous le même toit, elle lui rend des services, elle s'entraide, elle s'aime. Alors, racontez-nous ce que vous avez ressenti pendant ce voyage, en fait. Plein de choses, très différentes. Tout d'abord, une grande solidarité tout au long de notre parcours. C'est-à-dire ? Que ce soit par les personnes qui nous ont accueillis, les porteurs de projets, mais aussi sur la route, parce que bon, on a quand même eu des petits soucis. Vous êtes tombé à pas ? On est parti en 4L, on n'est pas parti en Porsche. Hein, d'accord. Et ouais, donc on a eu un problème de démarreur sur une dizaine de jours, soit la moitié de notre parcours. D'accord. C'est-à-dire qu'elle ne démarrait pas le matin, ni la journée. La nuit, en fait, on dormait, mais l'objectif, je pense, serait-il une bonne perspective. Et donc, ça veut dire que les gens étaient solidaires avec vous. Voilà, complètement. T'as qui poussait la voiture. Et voilà. Il n'avait pas trop le choix, on était coincés au feu rouge à Lyon. Il fallait bien venir nous sur le périph', il fallait débloquer la file, sur le périph'. D'accord. Donc, la morale de l'histoire, c'est quoi ? C'est on part à l'aventure et finalement on fait des belles rencontres même quand on galère. C'est extraordinaire ce que j'entends parce que moi je suis né au Cameroun, je suis né en Afrique et c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire quand on est petit, on n'existe pas dans la société. C'est les anciens et c'est les grands qui ont tous les privilèges. C'est-à-dire qu'on est à table, les grands mangent à table et les petits mangent à côté, par terre. Et donc on n'arrive que d'une chose, c'est devenir un ancien, que devenir quelqu'un qui a le savoir, qui a la connaissance. Et donc on ne rêve que de ça et on respecte énormément les anciens. Et quand on arrive en Europe, où c'est l'inverse, il y a un jeunisme énorme, où on valorise des jeunes filles toutes jolies de 19 ans, et que les personnes âgées sont un peu isolées. Donc je pense que c'est extraordinaire de pouvoir faire le lien entre les deux. Par contre, moi j'avais envie de dire, de dire un petit merci, un petit mot à vos grand-mères, parce que je trouve que vous êtes des jeunes filles sensationnelles. Et donc je voulais faire un bisou à Mamie Ginette, Mamie Denise, Mamie Rosine et Mamie Anna. Voilà. Et bien nous, on a envie de vous applaudir. Elles doivent être fiers de vous.